C'est une photo très forte parce qu'elle montre cette tension de ceux qui sont victimes par rapport à ceux qui peuvent éventuellement leur porter secours, ce que le CICR a fait tout au long de son existence. Ils attendent un secours, une compréhension, c'est ce qu'on voit sur leur visage. Celle-ci m'émeut personnellement puisque je reviens de plusieurs voyages à Gaza, que j'espère y retourner encore dans quelques temps, c'est le lieu où actuellement on sent le plus l'injustice qu'une guerre comporte toujours et les dommages qu'elle fait dans la vie personnelle, privée de ceux qui en sont les victimes. Ce qui me frappe, c'est que la photo et probablement, lorsqu'elle est belle, et c'est le cas de toutes ces photos de ce livre, a l'impact le plus fort. C'est un renvoi de l'émotion que l'on ressent quand on assiste à un événement et qu'on le retrouve sur une photo. C'est pourquoi je pense à celle de Stalingrad, à celle des femmes retour de Ravensbrück, une photo prise du crématorium de Buchenwald, où j'ai failli terminer ma jeune vie, c'est aussi une image qui me frappe considérablement.